La mort. Death. Ce mot qui hante les esprits. That word that actually troubles spirit. Dont les effets ne laissent personne indifférent. That the effect actually do not leave anyone. Si des hommes ne s'entendent pas sur un certain nombre de choses, if men cannot understand one another on certain things, au moins ils sont d'accord qu'un jour ils vont mourir. At least they are in one accord that one day they will die. Et ceci suscite tant de questions dans notre esprit. Beaucoup voudraient savoir ce qui se trouve au-delà de la mort. Many want to know what is after death. Est-ce qu'il existe une vie au-delà de la mort? Is there any life after death? Beaucoup veulent en savoir. Many want to know. Et ce soir, and this evening, nous avons une personne. We have somebody qui, par la grâce de Dieu, by God's grace, a connu la mort, have known death, et est revenu encore à la vie, and has come back to life. Alors il va nous raconter, he will then tell us, son histoire, his story, que j'appellerai, which I will call, l'expérience après la mort, the experience after death. The apostle Kwame Joseph. Vous avez la parole, homme de Dieu. Reverend Charles. Reverend Charles. Oui, je m'appelle yes, Kwame. I'm called Kwame. Je suis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'apôtre du Seigneur. I am today, by God's grace, the apostle of God. Mais il y a aujourd'hui près de 32 ans. But there is today 32 years. J'ai connu l'expérience de la mort, la vie après la mort. I didn't know the experience of life after death and death. Yes, life after death. Et aujourd'hui, je vais vous raconter effectivement qu'est-ce qui s'était passé. And today, I will tell you effectively what happened. Je vivais avec mon frère qui est également encore vivant à Yaoundé. I was living in Yaoundé with my brother who is still alive. Et les Américains avaient organisé un cross country. And the Americans had organized a cross country. Et nous nous étions engagés à courir. We actually had engaged ourselves to run. Jusqu'à être parmi les 5 premiers. So as to become among the first 5. La distance à parcourir était environ 15 km. The length to be run was about 15 km. Et la course était lancée. And then the race was actually started. Et nous avons couru. And we ran. Et j'ai couru. And I ran. Et jusqu'à environ 2 km avant l'arrivée. And just in about 2 km before the finish point. J'ai senti que les forces me quittaient. I felt as if strength was leaving me. Et effectivement, les forces m'avaient quitté. And effectively, strength had actually left me. Et mon cœur avait cessé de battre. And my heart has stopped beating. Et je m'étais écroulé. I actually fell down. Et mon âme a quitté mon corps. And my soul left my body. Et a commencé à monter, et au fur et à mesure que mon âme montait. And my soul started climbing and flying, and as it was doing so, je voyais que je dépassais les étages, je dépassais les montagnes et je dépassais les arbres, toutes les hauteurs. I noticed I was going beyond houses, beyond mountains and beyond everything that was high. Et je me suis retrouvé sur une plateforme. I actually find myself on a platform. Là, il n'y avait plus ni arbres. There was no tree. Ni maison, no houses. Mais c'était un endroit tout plat. It was actually a place that was completely plain, flat. Et l'environnement tout était bleuâtre. And the environment was actually in a blue form. Nous étions alignés. Il y avait une ligne jusqu'à l'infini. We were all lined up, finish line. Et il y avait quelqu'un qu'on ne voyait pas. And there was somebody we could not see. Mais dont on entendait la voix. And we could hear his voice. Et cette personne jugeait les gens. And that person was actually judging people. Quand mon tour est arrivé, when my turn came,
Il m'a appelé par mon nom. He called me by my name. Kwam. Kwam. Et il a dit, tu aimes la justice. Kwam. Kwam. Oui, Seigneur. Tu aimes la justice. And he said, you love justice. Et quand il a dit cela, and when he said it, au lieu de mourir pour la deuxième fois, instead of dying for the second time, parce que c'était là le principe après le jugement, because that was actually the principle after judgment, mon âme a recommencé maintenant à descendre. My soul started coming down. Descendre. Coming down. J'ai commencé à voir le sommet des montagnes. I started seeing the peak of mountains. J'ai vu le sommet des arbres. I saw the peak of trees. Des immeubles. Of houses. Et mon âme a continué à descendre. And my soul came coming down. Jusqu'à entrer ou dans mon corps. C'est alors maintenant que, après un temps, pendant que mon âme entrait dans mon corps, while my soul was entering my corps, il y avait une infirmière à côté de moi. There was a nurse just beside me. Et j'ai compris comment elle était devenue contente. And I noticed she was getting happy. Et elle a dit, il va vivre. And she said, he will live. Pendant que mon âme quittait mon corps, while my soul was leaving my body, j'avais éprouvé beaucoup de soucis. I felt many worries. Je me demandais, voici je meurs si je... I was asking myself, here I am dying, very young. Voici je meurs avec les diplômes que j'ai eus. Here I am dying with all the certificates I've got. Voici je meurs sans être marié. Here I'm dying without getting married. La mort donc avait survenu. Death actually came over me. Et le cheminement que je viens de vous raconter a pris place. And what I just told you took place. Et c'est après quand je suis donc revenu à moi-même, après 4 heures de temps. And after 4 hours, when I came back to myself, mon âme avait mis 4 heures au-delà. My soul actually spent 4 hours in the other side. Quand donc mon âme était entrée dans mon corps, when my soul came back into my corpse, j'avais donc commencé à réfléchir sur la vie après la mort. I started thinking about life. After death. Il avait commencé à réfléchir sur la vie après la mort. I know you also want to know. Retrouvons-nous lundi. Let's meet on Monday. Jusqu'à mercredi. Until Wednesday. De 21h à 22h. From 9 p.m. to 10 p.m. Tu auras plus à connaître. You will know more. Oui, tu verras plus connaître. He will tell you more. Ce qui se passe de l'autre côté de la vie. What happened on the de other side? De l'autre côté de la mort. On the other side of life. Il existe une vie après la mort. There is life after death. Tu dois le savoir. You should know it. Ça doit t'instruire. It should instruct et you. Tu en sauras plus d'ici lundi prochain. And you will know more as for Monday. De 21h à 22h. From 10 p.m. Dans notre émission. From 9 p.m. to 10 p.m. Fais-moi voir Jésus. In our program, let me see Jesus. Shalom. Shalom.